Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est JM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de notre aventure sur Uncharted 4 et on va descendre cet escalier où on s'était laissé, hein, désolé pour le suspense, mais bon voilà, hein, faut quand même se respecter en termes de durée des épisodes et donc on va s'engouffrer là-dedans. Ça sent la fin du jeu, hein, je vous le dis. Là, de toute façon, on est... Bah, de toute façon, oui, on est à la base finale, enfin, la base. On est à New Devon. Oh. C'est glauque, voilà. Là, d'un coup. Attention, Nate. C'est glauque, là, d'un coup. Et du coup, voilà, au final, la bande de joyeux lions, hein, des pirates. Au final, on a appris que, bah, tout le monde... Attention, la tête. Ouais. Au début ils étaient 12 et au final ils étaient 2 et au final il n'y a plus qu'Avry. On dirait qu'Avry s'était construit une échappatoire. il a tout, ouais, il a nickel game. Nous a conduit. Par contre c'est le chapeau le type ou... Ah c'est pas vrai. Moi j'aime pas tout ce qui est... J'aime pas tout ce qui est... La chute d'Avry. Je sais pas pourquoi mais j'ai pas confiance. Moi j'aime pas tout ce qui est tunnel comme ça. Oh lolo lolo lolo. Oh lolo c'est glauque. C'est glauque parce que... Oui. Si vous, si là c'est votre première Uncharted que vous regardez, vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce qu'il dit, mais je peux vous dire que dans les anciens, bon c'est un petit peu spoil de dire ça, mais il y avait des trucs un peu. Oh. Regarde, des traces toutes fraîches, ils sont passés par là. Ça fait un gros paquet de traces. On ferait bien d'être prudent. Ben, ils sont beaucoup. Hein. Oh là là, en plus c'est des dédales à la con quoi. Merde. Ah putain. Ok. Non, non, déconne pas la lampe torche. Hein. Oh là là, je vais prendre un screamer. Non, c'est pas possible. S'ils refont ça, c'est. Ça serait pas de l'innovation du jeu, quoi. De toute façon, ils sont passés avant nous, je sais pas pourquoi j'ai. Qu'est-ce que c'était ça? Les hommes de Nadine à tous les coups. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour utiliser de la dynamite? Ouais, j'avoue. Faut vraiment pas être malin pour en utiliser ici. Soyez discret. Le mot est faible. Faites péter la porte. Non, ah, alors, non. Ah, c'est flippant. T'as apporté des piles de rechange? Oui, oui, mais... Ah, c'est non. Je veux pas savoir. Je veux ah, c'est flippant. C'est flippant de fou. Ah, je commence à plus aimer le jeu, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, ils sont passés avant moi, donc il peut pas y avoir des trucs chelous. Oh là, oh là, attends. C'est quoi? On dirait une sorte de guet-apens. Oh, oui. Ouais, ça en a l'air. Ah, il tout frêlé. Apparemment, Sam et les autres ont réussi à passer. On a qu'à se fier à leurs traces. Il est tout... Il est tout frais. Attends, mais c'est un bidon explosif, ça? Ah oui, d'accord. On a qu'à se fier à leurs traces. Franchement, je me sentirais beaucoup mieux mais comment si ils ont ça su, grinçait du coup pas autant. Surtout, ne marche pas là où il faut pas marcher. Comment ils ont su que c'était ça? Quoi? J'essaie de me concentrer pour pas finir en morceaux, là, oh tu vois. Et... on se détend. Fouh. Je suis tendu, hein. Elena, regarde. Les traces s'arrêtent là. Ça s'est sûrement effondré juste après leur passage. Fuck. Du coup, on va aller à un endroit où ils ne sont pas allés. Oh, j'aime pas ça. Ah, mais tout est effondré, en fait. Grande échelle. Léna, grande échelle ou pas? Oui, si, grande échelle là. Non? Mais Léna, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Oui, mais encore. Parce que là, c'est bouché en fait. Là, c'est là d'où ils viennent. C'est bouché. Ah, mais d'accord. Bien. Il va falloir qu'on se débrouille pour libérer le passage. Ouais. Ok. Allez. C'est pas vrai. Faut trouver un autre chemin. Ok. Là, maintenant, on fait la courte échelle. Là, maintenant, on fait la courte échelle. Oh non. Tu vas pas t'arrêter maintenant. Non, 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 non. Oh non, non. Eh merde. Allô? Quoi? Non. Ah, je déteste ça. Bon sang.
Allez. Attends. T'as toujours le briquet de Sam? Ouais. Bonne idée. Évidemment qu'il est vide. Ah putain. Il a fumé comme un pompier quand on était comment sur on le fait, bateau. Comment on fait du coup là? T'énerve pas, j'ai apporté des allumettes. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je sais même pas où je suis, je sais même pas où je regarde là. Et voilà le travail. Ok. Ouais, enfin. Il y avait des. Ah, oh, désolé. Zoé, oh, ma tête. Je me suis pris le poteau. Bonjour. Eh, viens voir. Quoi? Mais je vois rien en fait. Là, je sais pas où je suis. J'ai trébuché. Attendez, je tourne la caméra. Par là. Par là. Ah, ah, ah. Ah, là. Ah. Oui, voilà, bien joué. C'est une chance que tu sois si prévoyante. Faut bien que quelqu'un soit. Allez, viens, faut qu'on trouve un passage. J'aime bien cette ambiance romantique. T'as une drôle de conception du romantisme. C'est vrai. Oui, je sais. Ok. Ben là, à courte échelle. Hein. What? Mais en fait, il fait tellement sombre, on voit plus rien. C'est bon signe. Je te fais la courte échelle? Ok. Pose cette torche, peut-être. Ouais. Mais éviter de lui cramer. Ok. Ok, on y est. Casse la roulette, s'il te plaît. C'est bon. À toi maintenant. Ah, d'accord. Attention. Oh, il me fait peur. J'y vais. Il fait tout ça, mais trop stylé, je trouve. Ok. Attention la tête. Ouais. Bon, c'est creepy, hein. C'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ces bestioles là? Casse-toi. Non, pas par ici. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est des. C'est énorme. Fais attention. Oh, ça sent le nid. Oh, c'est. Wow. Ça va être horrible. Wow. Oh, wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah. C'est carrément flippant. C'est des bras dans des. Les bras qui m'ont volé. Ah, d'accord. Oh. Il fait même plus semblant d'être sain d'esprit. J'aime pas du tout cet endroit. Moi non plus. On fiche le camp. Putain, mais par contre, enfin. L'emmerdement, quoi, pour démembrer les types, les mettre dans des petits paniers, c'est bon, les traîtres, tu les tues et basta, quoi, enfin. Il y en a, ils sont bizarres, quand même, hein. Que de sac. Dead end. Ok, attention à pas se mettre feu. Ok. Peut-être pas faire des roulades, ça va éteindre la torche. Putain, oui, ça a l'air de... Arrêtez de tout faire péter. C'est chiant, en force. Mais regarde, Avery a laissé traîner quelques gibets. Ça se dit gibet. Quoi? En fait, ça se prononce gibet. T'es sûr? Ouais. Bon, comme tu voudras, madame, je sais tout. Ah, c'est une cache, quoi, enfin... Gibet. Ça, c'est bien la langue française, hein. Faut absolument un mot pour tout, quoi. Enfin, c'est une cache, quoi. Enfin, wake up. Ok. C'est quoi, ça? Une momie? Oh. Que c'était? Un trap. Un piège. Après, ok. Je voulais vraiment pas que qui que ce soit mette les pieds ici. Au début, j'ai eu vraiment peur. Moi? Mais c'est toi qui as marché dessus. Ok. Regarde où je mets les pieds. J'ai eu peur que ça soit vivant en fait. Hein. Oh lolo. C'est pas le même jeu d'un coup là. Hein. Oh merde. Oh les dégâts que ça fait! Oh, merde. Mais ouais, mais comment je fais pour. Pour l'instant, ça va. Je devrais pas trop m'approcher. C'est sûr. Mais je vois pas le. Je vois pas le piège. On est coincé. Elena? Oh putain. Tout va bien? Ouais. C'est quoi ce bruit? Au moins maintenant, on sait d'où venait l'explosion qu'on a entendue tout à l'heure. Ah. Ouais, pas étonnant qu'il y ait autant d'éboulements dans le coin. Hey Nate, j'ai trouvé un raccourci. Ah bah de toute façon t'as pas le choix. C'en est un. J'ai essayé de... Oui. Ok. On s'enfonce dans les profondeurs de la terre, c'est pas rassurant. Mais bon. Putain.
Non, mais faut arrêter, c'est quoi là maintenant? C'est des corps? C'est des. C'est des torses? Oh là là, elle. Mais là, non, mais non, mais faut, là, faut arrêter l'alcool. Encore des mobiles humains. Faut arrêter. Non, mais là, là, faut arrêter l'alcool. Non, mais vous vous rendez compte, le type? Il a démembré les gars, il a laissé leurs bras là, après il a traîné leur torse jusqu'ici pour les attacher. Non, mais enfin. Hey, merde, encore des momies explosives. Mais je vois pas le. C'est un détecteur de mouvement ou quoi? Enfin, on est quand même. Y'a pas de fil. Y'a pas de fil. Je vois pas. Tout va bien? Attendez, je vérifie que j'ai rien loupé. Ouais, mais. On peut plus passer par là. Ah, bah voilà. Hein? Non, mais il avait un faciès à vrille, quoi. Un Batman. Mais oui, mais je vois pas ce qui active. Moi, je veux bien. Ok. Je comprends pas en fait. C'est un détecteur de mouvement. Bah. Merde, encore des momies. Défense d'exploser, d'accord. Fait marrer, on dirait. Ok, c'est un peu bizarre ce passage là, je comprends pas. Mais enfin. Mais Avery, ouais, enfin. Dude, chill out quoi. Chill down. Non. Mais c'est indodgeable en fait. On est obligé en fait de se faire. Oui, ça va. Ça va, je regrette juste de pas avoir pris des bouchons d'oreille. Je crie là. Waouh, celle qui a glissé, du coup ça m'a fait trop peur, j'ai cru que c'était le. Un explosif qui s'activait. Nate, attention. Ouais. Avery adorait l'Egypte, on dirait. Sauf que cette momification, elle était pas. Comment dire. Volontaire. Bah oui, je pense que. Alors. Là on descend encore plus profond. Oh, une flare. Bien, on a retrouvé la piste. Trace vont dans ce sens. Prépare-toi à te battre. Je suis toujours prête. Je peux remonter. Tu dis ça vis-à-vis de moi? Arrête, calme-toi un peu. Toi qui devrais être calmé. Bon, j'ai raté un trésor, mais c'est pas grave. He's okay, he's okay. Bon allez, plus de momies qui explosent là. Et surtout pas de bestioles mort-vivant ou je ne sais quoi là. Oula, c'est tout frais ça. Messieurs, dames. Ah, ces types devaient pas être très concentrés. Toujours aucune trace de Sam. On va le retrouver. Ah oui, non mais de toute façon, je suis pas inquiet. Hein. Je suis pas inquiet. Hein. Ok, de l'eau. Attention à la torche. Elena, baisse-toi. Quel con, vous voulez vraiment que tout s'effondre? Vraiment, j'avais pas le regard. Hop. Oh. Donne-moi ça. Attends, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Holy fucking. Le recul qu'il y a. Copperhead. Ça non plus je connais pas. Oh, je connais pas, mais ça me plaît. Condor, ça on connaît. Ça on connaît. Ça on connaît. Ça on connaît. Ok. Je pense qu'il y a le fameux. Oh, ça fait des dégâts en plus. Hein. Parce que eux ils tankent les pompes. Hein. Il y a les fameux. Comment dire? Je vais garder ça.
copperade est bien quand même. J'avoue que le copperade est plutôt propre. Il y a un viseur quoi, c'est surtout ça. Je pense qu'il y a un trophée où faut tuer avec toutes les armes. Bande d'idiots. Avec toutes les armes du jeu. Mais je pense que c'est loupé. Je sais pas si vous vous souvenez du jeu. Voilà, donc ça par exemple c'est tuer 4 personnes avec une grenade, voilà, bon ça c'est fait. C'est marrant parce qu'on parle de trophée et j'en obtiens. Je crois qu'il y a un trophée, c'est tuer un ennemi, enfin tuer avec toutes les armes du jeu. Je sais pas si vous vous souvenez l'endroit où j'avais un truc à silex là. Et au final j'avais pas tiré parce que j'avais fait de l'infiltration. Et du coup bah rip le succès, c'est pas très grave. Mais celui-là il est sympa. Putain de cette arme. Oh. Oh. Pour une fois, je remercie Avery pour ses momies explosives. Non. J'avais pas vu. Ok. Ah oui, là c'est... Non mais... Oui, imaginez ce qu'il accroche à son sapin. Non, mais c'est normal. Je vois pas l'empreinte. On n'a pas dû prendre le même chemin que les autres. Non, mais c'est un sketch. On va voir si on peut les rattraper. C'est un sketch, le type. Mais l'emmerdement du type, quoi. On dirait que ça s'est battu dans le coin. Ouais, les hommes de Thieu contre ceux d'Avery. Attendez, on a vu les bras, les torses, les bouches. On va voir quoi après? Les jambes, les yeux? Ah. Ah, c'est gênant là, Elena. Merci. C'est gênant là. Ça serait cru sur un jeu Ubisoft. Ok. Oh, comment. Oh, c'est stylé. L'animation était stylée. Excuse-moi. Merde, du coup, je suis au bon endroit. Salut. On dirait une clé. C'est quoi cette lettre? Alors, lieutenant Bertrand. Eh ben, c'est de Thieu pour ces hommes. En ce moment même, Avery prépare sa fuite. Si nous laissons quitter ces zones, qu'il disparaîtra avec ton trésor, ce passe-partout ouvre les portes au fond de cette tunnel et se prenons. Cette clé pour sortir. Bonne Noël. On voit un petit détachement à travers la vallée pour tenter de couper sa fuite. Si nous accorde la victoire demain au coucher. Ouais, c'est ça. Chacun avait sa petite troupe et ça part en couille, quoi. Ok. Oh. Il y a des sortes de symboles derrière. Allez, faut trouver la serrure. Oui, bah attends. Ok, donc crâne en bas à droite, bateau crâne en haut à 1 et les croix 3 en bas. Ok. Ok. Du coup, je suis sur le bon chemin. Du coup, je vais retourner vite fait là-bas. Hop. Tac, tac, tac. Parce que là, il y a plein de chemins en fait. Il est mal en point. Ok, tout est. Ok, cul-de-sac. Se relie en tout cas. Tiens, salut. Tiens, donc on a tourné en rond. J'imagine. Ok, c'est les cul-de-sac. Ah, je peux. Ah, je pouvais regarder. Il y avait un truc là, mais ça l'a pas activé. Ok, ça l'a pas croc. J'espère que c'est pas important. Bon, on va continuer. Donc, tête de mort en bas à droite. Pierre tombale, les trois en bas et l'autre en haut. Ok. Allez, let's go. Let's go, let's go. Ok, ça relie. Oh non. Oh waouh. Oh, mais ça va aussi. Hein. Bon, il y a de la momie qui. Oh merde. Il y a de la momie qui pète. Non! Tout va bien! Ok. En fait, elle pète toutes, mais il y en a qui s'activent qu'après l'explosion. Putain, mais le mec, le temps qu'il a mis pour préparer ça, genre. Ça devait être. Quand il était en repas avec les autres. Ouais, attendez, les gars, je vais vite fait dans ma chambre là, j'ai un truc à faire. Et en fait, il faisait son El Chapo
à creuser un tunnel sous la Manche et exploser, c'est ça, hein. Et non, à poser des mines partout, quoi. Enfin, c'est... Ce type faisait vraiment confiance à personne. Non, mais enfin, il avait un pétocasse surtout, genre. Oula. Oh non, 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 non. C'est bon, ça y est. Okay. C'est fini. Quelle jolie Corée. Quelle jolie Corée. Bah, je t'avoue que j'ai plongé direct, hein. Ok. Hop. On va sauter le mouton, y'a pas de soucis. Ok, donc là on pourra pas remonter déjà. C'est pas super bon signe. Ah, c'est ça. C'est quand même nettement moins flippant que tous ces os qui pendouillent. Je veux bien, mais ça reste flippant. Ah, c'est un 3 sur une échelle de 10. Moi je dirais 4. Ah bon, 4? Mm-hmm. Ouais, bon. Les oreilles viennent de se déboucher. Ouais, y'a aucun doute, on descend. Ok. Oula, encore une salle. Super, voilà encore un de ces pièges. Mais là, y'a pas de traces. Cette fois, pas de traces pour nous guider. Ah. Me pousse pas dessus. Oh, oh, oh. Alors. Ah, mais c'est... Ok, c'est ça. Donc là... Oh, c'est à l'envers. Oh, les coquins. Les coquins. Donc le crâne, c'était... en bas à droite. Donc je peux pas. Tu m'as pas dit qu'il y avait des symboles sur cette lettre? Là, c'est ces trois-là. Donc là, je peux. Et ça, c'était les deux du haut. Ok. Donc là, on peut marcher. Sauf que le décor me gêne, ok. Donc là, je peux marcher. At this moment, I didn't know. I fucked up. Tu m'as pas dit qu'il y avait des symboles sur cette lettre? Oh, oh. Ah si, c'est drôle. Ah si. Bah attendez, c'était ça. Les trois... Ah mais non. Mais je suis con, c'est l'inverse. Justement, là où il y a des têtes de mort, c'est là où on meurt. Ah, oh, je suis fou l'idiot. Alors là, on peut marcher. Mais oui, là où il y a des têtes de mort, c'est là où on meurt. Je suis idiot. Ok. Tu as expliqué à ces hommes comment passer les pièges. Je suis débile. Ah, c'était drôle. Ah si, c'était drôle. Ok, donc du coup, tête de mort, on meurt en bas à droite. Le bateau, on meurt en haut. Et les flèches, on meurt en bas et ok. Ok. Oh merde. At this moment, Nathan Drake knew he fucked up. Ok, ok, donc là on peut marcher. Là je peux marcher en bas. Et là je peux marcher partout sauf en bas à droite. Bien, voilà qui est encourageant. Marche dans mes pas, ok? Fais bien attention. Moi je fais toujours attention. Dit-il alors qu'il a fait exploser toutes les momies de cet endroit. Ouais, bah désolé si je manque. Attends, un peu je suis concentré. Avec les momies explosées. Je suis coincé. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis tellement coincé. Du bois. Attendez. Ah non, les croix sont à l'envers. Piégé. Donc là, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Et là, tout sauf en bas à droite. En bas à droite. Ok. Voilà, on a réussi. Ah oui, c'était dans drôle. Les dents, Avril. Ah si, si, si. Oh merde, ça m'a fait. Oh, en plus, c'était radical. Je pensais qu'on allait tomber dans les pics, mais non, non, ça. Ok. Ok, ok. Tiens, voilà notre sortie. Ah oui, d'accord, on, la flair, on s'en. Oh, bah. Oh. C'est les restes des hommes de Tew? Sûrement. Avril adorait montrer l'exemple en punissant ses ennemis. Une chose est sûre, il adorait faire exploser des momies. Va falloir qu'on avance à petits pas maintenant. C'est flippant, j'ai l'impression que ça va se réveiller en fait. Mais la perte de temps, mais je me répète, mais la perte de temps quoi. Les traîtres, tu les tues et basta quoi. Oh là là. Ils avaient du temps à perdre. Hein. Vous voyez, ils avaient masse argent. C'est ça, de toute façon, plus on a d'argent, plus on fait des trucs cons. Une serrure. Enfin, du moins la plupart des gens. Une clé. Comme des Attends, gens qui ont un cerveau. Mais... C'est peut-être un piège. C'est pas comme si on avait d'autres options. Super. Mais j'ai un bon pressentiment cette fois. J'y vais? Vas-y. Ok. Tu vois? Ah, je vois, ouais.
Bah au moins on n'a pas explosé en morceaux. T'aurais pas un couteau sur toi par hasard? Non. Ah, mais le type qui est là a une épée. Allez, aide-moi à faire balancer ce truc. Oh, oh vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Non, 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 pas comme ça. Not like this. Oh, non, j'aurais pu. Non. Vite, 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 vite. Ah, je peux pas. Allez. Allez, les gros culs. Ah, c'est bon. Oh, c'est la mort. Vite. Non, dans l'autre sens, mate. Mate. Oh, oh putain. C'est quoi ce truc à la Indiana Jones? Ou une référence à Crash Bandicoot? Je sais pas. Oh. 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 Pas de Ben voilà. Facile. Merci, capitaine Avery. Léna. Comme au bon vieux temps, hein. C'est moi, vous l'avez assommé. Elena? Hé! Hé! Elena, allez! Elena! Mon héros. T'as quand même pas osé faire ça? Non! Et ça te fait rigoler! Allez, t'exagères! T'as déjà fait mille fois pire que ça! Oh, c'est pas vrai, encore un peu, je faisais une crise cardiaque! Oh, attends, je vérifie. Je crois bien que tu vas survivre. Je vais te dire un truc. Après ça, on est quitte pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et j'ai bien dit tout. Non, on est loin du compte. On t'a de la boue partout, mon pauvre chéri. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais une drôle de conception du romantisme? Ouais, je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est mignon. Bien parlé. Allez au boulot, les gars. Ah. C'est sûrement Sam. Viens. Oui, oui, reprends l'arme, là, reprends l'arme. Hop. S'il y a des coups de feu, c'est qu'il est encore en vie. Du moins pour l'instant. Ça, c'est un galion. En tout cas, ça y ressemble. Oh merde. Ça fait être la mort pour moi. Ah oui. Ah ouais. Oh, c'est stylé. Oh, si on peut faire un Falcon Punch là du haut du... Du haut du... Comment ça s'appelle d'ailleurs? Du haut du mât, mais le poste de garde là qu'en haut. C'est un spécifique, je crois. Ah oui. Ah, mais il n'y en a pas qu'un en plus. Oh waouh. Cimetière de bateau. Non! Oh, oh. Mais je le fais exprès en fait! Oh, c'est stylé de fou! Oh, ça aussi, ça serait tellement classe hein, pour une map multijoueur. Ok, allez, on avance. On va pouvoir descendre par là. Ça a l'air à peu près sûr. Ouais, aussi sûr que tout le reste sur cette île. Ok, on va pouvoir descendre, ok, donc apparemment il faut descendre. Si j'ai pas envie de descendre, non. Hop. Super, on se rapproche. Oh merde. Ok. Oh, regarde, c'est Sam. Encerclé. Oh putain, c'est dommage que j'ai pu lancer un avion. J'arrive à atteindre la plage. Nate, ils sont derrière toi. Oh, j'aurais pu faire un Falcon Punch. Dommage. Oh, oh j'aurais pu en faire un. Ok.
Oh putain, ça m'a soufflé quand même. Ouh. Ma belle. Ils se foutent de ma gueule. Et ils ont un espèce de lancer de grenade. Ils sont assez solides. Hein. J'arrive à atteindre la plage. Est-ce que je peux? Ok. Il faut que j'arrive à atteindre la plage. Mets-toi à couvert. Non, vite, vite, vite. Yes. Y'a un balrog, ok. Alors, là la question ça va être... Let's go! Ok, j'ai eu les deux gros. Oh là là, comment que je l'ai soulevé au fond là-bas là? Oh! Waouh! Ah, dommage. Ok. Wouh! Donnez-moi ça là. Donne-moi ça. Allez, venez jouer là! Oh, j'espère qu'il en reste. Elena, par là! Alors les gars, vous êtes où? Merde. Y'a du monde ? Ils sont où ? Allez, on va couper par la gueule du navire. Oh, je peux pas jouer ? Ah si, j'emmène ça hein. Let's go les gars. Bonsoir. Ah, c'est pas le même jeu d'un coup là les gars. C'est pas le même jeu là hein. Je prenais beaucoup trop de dégâts, mais c'est drôle. Ah ouais, mais toi aussi, ça va. Wow! Non! Non! Ok, mais j'ai tué le mec qui faisait chier. Ah,
t'enlève pas, Elena, t'enlève pas. Pas aveugle. Ouais. J'espère que ça va pas reset la zone. Non. Allez, donnez-moi ce petit scope là. C'est pour lui. Non. Je voulais recharger, mais je peux pas. Enfin, ça sert à rien de recharger. Non, non, non. Ah, j'ai niqué une balle de snipe. Ok. Eh ouais, les gars. Ah. Ah, je peux pas. Il y a la grenade en fait. Je peux pas jouer le snipe alors qu'il y a une grenade. Oh. Tiens, oh, ça fait plaisir. Eh, ils sont pas prêts pour mon scoping. Ils sont pas prêts pour mon scoping. Alors, est-ce que ça m'a bien pu? Il est parti par là. C'est la fin du jeu quand même, avec tous les putains de pompes et tout. Ok, tout a été couché. Allez, casse-toi. Ok. C'est quand même plus facile d'un coup hein, quand on prend les bonnes armes. Oh putain, putain, donne-moi ça. Ok. Je vais jouer au Copperhead. Les pompes c'est bien mais il faut être prêt. Oh les pickness. J'arrive Sam. C'est Pirates des Caraïbes mais version version arme quoi. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon mais vraiment des casques. Sur moi, sur moi. Ça va aussi, non? Tue-moi cette merde, voilà. Ah, du coup, on a profité pour bouger. On va greler là. Que je voulais faire. Pardon. Mais il y avait pas un mec dans mon dos. Il y avait pas un mec dans mon dos. Fuck, je crois qu'il y avait un mec dans mon dos. Bah du coup. Bah du coup bizarre. Ta grand-mère, tu mens. Non, c'est bon. Il est où, lui? Waouh! Oh putain, là je pense que la cascade, ça va être sacrément dégueu à regarder sur YouTube. Ouh. Alors, toujours, on fait le plein. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Y'a pas un lance-grenade là quelque part? Ah! Ça fait vraiment plaisir de voir. Ouais! Okay. Restons pas sur cette plage 10 minutes de plus. Ouais, t'as raison. Ah, il est là mon lance-grenade.
guys. Ah non, c'est un RPG. Ok, c'est bon, il est clear. Il est clear. Non, toi tu gardes ta grenade. Non. Casse les couilles. Ok, j'ai plus de balles. Salut, c'est une grenade, t'es mort. Merde, j'ai encore lance-roquette. Waouh! Waouh! Il y avait deux lance-roquettes. Derrière moi. Ouais, oh, mais là c'est le pire spawn, c'est le pire spawn. Oh putain. Ok. Moi j'ai voulu faire. Bon, c'est pas sympa. J'ai voulu faire. Non! Oh putain, heureusement que je me suis allongé. Ok. Ok, je le vois. What the fuck, je suis mort d'une crise intestinale là ou. What? Hey, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va jouer sérieux. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Ok, c'est bon, on y est. Ok, mort. Faut m'aider. Ok. J'ai plus de balles. Je reprends des balles et je reviens. Non, c'est un shotgun, je ferai rien avec ça. Ok. Y'a encore un mec? Colle-le-moi. Mais c'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Voilà, putain. Wouh. C'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Voilà. Lance grenade. Voilà nos amis. Ah, je peux pas. Là. Je l'ai pas pris. Ok, je l'ai. Non, c'est le Balrog. Fuck. Putain, c'est chaud. Meurs du cul toi. Ah ok d'accord. Ah j'aurais peut-être dû le garder pour lui. Ouais dans le mille. Par ici, suivez-moi. Ça, suivez-moi. Vas-y, je vous cours.
Là, on le sent, le mode difficile. Là, ça fait plaisir. Là, on sent la fin du jeu. Oh putain, ça c'est pas mal. C'est bon, vas-y, continue. Oh wow. Surface. Visuel est pas au top. Je me sors de là. Ah mais frère. Ok là. Okay. Oh c'est joli. C'est joli, petit corolla. Ok. J'ai la pire arme du jeu. Il m'a tellement pris à revers. Non, recharge. Ok. Déconner. Oh mon dieu. Ok. Oh, c'est pas simple. Est-ce que je continue ou pas? Ça, c'est la question. On a 50 minutes de vidéo. Je vous avoue que c'est éprouvant. On va se laisser là parce que je sais pas. Je sens qu'on touche au but, mais je sais pas pour combien de temps. On va se laisser là. Je suis désolé encore pour le cliffhanger, le suspense. Mais c'est intense et c'est vraiment kiffant de fou. Là, on sent bien la difficulté. Bon, j'ai très mal joué aussi. Hein, il fallait juste se servir du lance-roquette pour tuer le pompe. Et ensuite, avec les deux balles restantes, enfin les deux roquettes restantes, s'occuper des deux lance-roquettes. Voilà. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Il me semblait bien qu'on pouvait swinguer. Enfin, c'était évident, mais je swingais pas du bon côté. Donc, pas de souci.
J'ai mis play, mais on... c'est bien. Il faut mourir un peu. Ça fait partie du jeu. Et du coup, voilà, on se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. C'est complètement intense, c'est complètement jouissif. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous et à très très vite. Allez, ciao ciao.